plan, voilà la stratégie des conservateurs dans sa plus grande splendeur. Lorsqu'un problème surgit, personne ne se lève de ce côté pour prendre la défense des travailleurs. Pendant les procédures, on se tait. Et après, je vous parie qu'ils garderont le silence parce qu'il sera trop tard, encore une fois. Monsieur le Président, si le ministre avait été cohérent avec ses politiques, il aurait assujetti Air Canada à la loi sur la participation publique au capital d'Air Canada. On l'aurait obligé à maintenir l'entretien des appareils ici au pays. Le ministre est-il conscient que son inaction depuis un an se solde aujourd'hui par l'exportation de nombreux emplois de qualité à l'étranger? Oui. Madame le ministre des Transports. Monsieur le Président, si on se fait au NPD, Monsieur le Président, il y aurait de nouvelles taxes sur le carbone de 21 milliards de dollars, Monsieur le Président. On augmenterait les taxes et les impôts de 56 milliards de dollars, Monsieur le Président. On tuerait davantage d'emplois. Nous respectons... Order. À l'ordre. Transport à la parole. Pour le faire, nous respectons la gestion des entreprises, Monsieur le Président. Dans ce dossier, le processus légal suit son cours, Monsieur le Président. Bravo! Dans la vérité de notre...